Ah ben, je suis très content. Il y a beaucoup de sacrifices derrière cette ceinture. Et je tiens à remercier tout le monde. Mes sparring, Jordan, Elias, tout le monde, Claude, mon père, ma mère. Et franchement, c'est que du bonheur et je l'ai fait. C'est la première ceinture des champions de France. Première année junior, première ceinture. Je suis très fier. Mais le travail s'arrête pas là. Et on va essayer de faire encore plus. Tu te rappelles quand tu as perdu l'année dernière et le temps a passé vite? Être frustré quand tu as perdu et maintenant tu gagnes, tu regrettes ou non? Je regrette, oui et non. Parce que ça m'a fait prendre conscience de mes erreurs, de mes défauts. Après, je me suis remis au boulot dès que je suis rentré à la salle. Et comme je l'ai dit, le travail continue et on lâche rien. Ça paye effectivement. Cette ceinture représente beaucoup de choses. Et franchement, je suis très très fier. Et encore merci à tous. Merci vraiment à tous, ceux qui ont organisé les finales du championnat de France. Tout le monde. Mohamed Jamaï, je vous remercie. Et voilà, Yves Lopez, il me regarde d'en haut. Et je lui fais de gros bisous et je pense à lui. Je pense à lui très fort et cette ceinture, c'est pour lui. Et pour le fiston, il est là. Un mot pour le père et l'entraîneur. Ben moi... En tant que papa et entraîneur, je suis très très content de lui parce qu'il est très très courageux. La boxe, c'est pas que de monter sur un ring et de boxer un adversaire. C'est aussi un sacrifice de toute l'année parce qu'il y a des régimes, il y a des énervements entre nous. Ou des moments où il est en surpoids, il faudrait le faire descendre, c'est pas facile tous les jours, le travail, et il faut avoir du courage, la motivation, y aller courir, s'entraîner tous les soirs, après l'école, les devoirs, c'est un tout, l'ensemble ne fait pas que de monter sur les sparring, y aller dans d'autres salles, donner de son temps. C'est vraiment un tout, voilà. Et mais je suis vraiment fier de lui parce qu'il n'a jamais remis un pas en arrière depuis qu'il a commencé. Comme je l'avais dit en BEA quand il était un champion de France, depuis 6 ans, l'âge de 6 ans, il n'a jamais reculé. La marche arrière, elle est cassée depuis très très longtemps. On avance, même avec des défaites parfois, mais on y avance tout le temps. Merci. Un dernier mot, je voulais remercier aussi les entraîneurs du collectif, Pôle France, avec qui j'ai fourni un très gros travail. Et je les remercie parce que j'ai appris de nouvelles choses avec eux. Et franchement, je remercie Claude. C'est quoi cette coupe? Et cette coupe, c'est le style.